Bonjour Sergio, merci Bonjour d'être ici. Kevin. Merci d'être ici et de nous faire part du soleil et de la belle ambiance qu'il y a chez toi où tu habites en Espagne. Toujours, mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est couvert. Aujourd'hui, c'est couvert, mince. Enfin, c'est toujours gai de. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un petit fond, tu vois, avec un peu de. Ça y ressemble, C'est vrai? Ah ben voilà. oui. Voilà, comme ça, on peut rêver un peu, c'est toujours chouette. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de ton avis sur la formation. Donc, tu as acheté la formation, je n'ai pas la date en tête, mais c'était au mois d'avril, mars-avril, je Oui, pense. il me semble, oui, avril, mai, oui, il me semblait. Ouais. Et donc là, tu viens de m'annoncer donc que tu as terminé la formation. Donc, tu as Oui, fait. je l'ai terminé. Bon, j'y ai mis peut-être 2 mois. Bon, je l'ai fait avec tranquillité, sans, je voulais pas, je voulais prendre mon temps de bien apprendre, disons, les connaissances. Et bon, très content parce que c'est vrai que c'était un univers que j'avais envie de découvrir. Je n'avais pas l'outil adéquat pour le faire parce que j'avais un compte Webflow depuis 2-3 ans, mais je ne savais pas très bien quoi en faire. Et c'est vrai qu'avec la formation, ça m'a ouvert un peu les portes, les connaissances nécessaires pour pouvoir voir un peu Webflow en profondeur. Et puis, j'ai fait mon portfolio qui n'est pas encore terminé, mais il ne manque pas beaucoup. Donc, ça a été, disons, le moment et l'outil indispensable et nécessaire pour moi en ce moment. Ah, super. Oui, non, c'est un super outil et je suis content que tu as pu faire la formation, que déjà tu m'as montré, tu as partagé dans le groupe le portfolio. J'ai hâte de voir la fin pour. Oui. Parce que bon, ça fait 2 mois là, je suis un peu en retard entre les vacances et puis le mois de juillet est un mois compliqué. Mais bon, mois de septembre, l'objectif est de le terminer. Donc bon, voilà. Non, c'est super. Je veux pas me presser parce que bon, c'est un objectif, disons, à moyen terme. Disons, le portfolio est un outil pour d'autres, pour un futur, disons. Meilleur ou moins différent, donc je ne vais pas me presser, mais bon, Non, non, c'est vrai. l'objectif c'est pour que la fin de l'année, avant la fin de l'année, soit terminée. Voilà. Donc vous le verrez. Non, super. Vraiment, à ton rythme, ce qui est bien, c'est que tu sais où tu vas aller, tu as déjà ton portfolio, donc il n'y a plus qu'à. Donc petit à petit, tu Voilà. rajouteras. Et puis le site, une fois qu'il est créé, tu peux le faire évoluer à ton aise. Donc, non, non, c'est chouette. Parlons un peu de toi, de qu'est-ce que tu fais. Voilà, est-ce que tu es freelance? Est-ce que tu travailles pour un boss? Tu travailles, voilà, explique-moi. Oui. Bon, je suis freelance et aussi je travaille pour une entreprise donc qui s'occupe de la publication de revues, de magazines et en même temps de blogs et sites internet. Bon, c'est un peu online et print, les deux facettes, non? Moi, à la base, donc j'ai 53 ans. J'ai commencé comme graphiste traditionnel, disons, à l'époque où Internet n'existait pas. Donc, j'ai dû apprendre Internet et m'adapter donc à toutes les nouvelles outils, non, qui sont apparus, non. Et c'est comme avec Internet, c'est un truc perpétuel de s'adapter, non, aux nouvelles technologies, outils. Donc, en ce moment, je travaille donc pour une boîte et je suis freelance. Et bon, mon objectif est d'être plus freelance dans le futur que travailler pour cette boîte. Ouais. Donc, mon portfolio, la formation, Webflow est un outil pour cet objectif. Et donc, voilà. Donc ça veut dire que le fait d'avoir acheté la formation, c'était pour rejoindre un peu ton objectif qui était de en fait se lancer en tant que freelance à 100%. Oui, je voulais donc d'une part apprendre Webflow parce que cela me paraissait un outil très intéressant avec beaucoup de possibilités
Et donc, et en même temps, c'était aussi la possibilité d'à travers cet outil, pouvoir atteindre mon objectif. Non, ouais. Donc, c'était une envie d'apprendre et puis un besoin aussi d'apprendre. Donc, c'est les deux choses. Non, ouais. Et aujourd'hui, tu crois que ça t'a aidé vraiment? Ça t'a donné un petit coup de boost? Oui, parce que mon compte sur Webflow, je l'avais ouvert il y a 2 ou 3 ans. Il était là et puis j'en faisais rien. Et c'est vrai qu'avec la formation, pour apprendre quelque chose, il faut que quelqu'un te guide. Quand c'est quelque chose de complexe ou nouveau, il faut que quelqu'un te guide. Et c'est vrai qu'une formation audiovisuel, c'est l'outil parfait, c'est le moyen parfait d'apprendre. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Puis à part de, disons, la formation soi-même, il y a tout ce qu'il y a un peu autour, non? Je veux dire, les autres élèves, disons, les conseils, la chaîne YouTube, la relation avec toi. Donc, je veux dire que bon, s'il y a un problème ou j'ai une question à poser, c'est toujours très intéressant d'avoir quelqu'un de l'autre côté. Non, ouais. Donc, c'est un peu l'univers Kevin qui fait que bon, la formation complète, disons, soit très intéressante pour moi. Et je veux dire que j'en suis très content parce qu'elle a permis d'atteindre mon objectif. Ouais. Et point de vue... merci d'abord de tous ces compliments que tu me dis. J'essaie d'être le plus réactif possible. C'est vrai que le groupe est là et j'aime bien, même c'est super enrichissant pour moi de voir l'évolution. Voilà, quand je vois ton portfolio, je me dis c'est génial, tu vois. Et donc, c'est vraiment chouette. Parce que c'est vrai que le portfolio, c'est mon premier projet. Donc, j'ai fait avec Webflow depuis zéro. Ouais. C'est vrai que j'en suis content parce que… Et fier. Oui, j'en suis fier, oui, parce que j'aurais pu prendre une template. Mais non, je l'ai depuis le design, je veux dire, avec Adobe XD. J'ai pensé comment le faire, pourquoi, avec un objectif. Ouais. J'ai aussi un peu de marketing. Non, puis après, je l'ai fait sur Webflow. Et c'est un truc qui m'aurait été impossible sans la formation. Donc, je suis fier que mon premier projet, qui est le mien, je veux dire, personnel, soit, disons, abouti. Il faut que je le complète, mais c'est le compléter. La structure, le design, est fait avec Webflow. Et j'en suis content. Je l'aime. Voilà. Ouais. C'est génial. C'est génial. Donc, toi, tu utilises Adobe XD et Webflow côte à côte, du coup, c'est ça? Oui. Je pense que c'est très intéressant de commencer l'idée. L'idée, elle est là, mais après, il faut la réaliser sur une plateforme, une base graphique comme XD. Et je pense que là, tu as, disons, le moyen de vraiment définir ton idée, ton futur site internet. Et après, je pense que le répercuter sur Webflow, c'est si tu domines Webflow, voilà, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Commencer directement sur Webflow, ça me paraît très très compliqué, très 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 abrupt. Voilà, ouais, ça risque pas d'avoir un bel ensemble et un message cohérent. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Peut-être tu dois employer plus de temps, faire, défaire pour recommencer. Bien que si tu as XD ou Figma ou quoi que ce soit, tu es beaucoup plus à l'aise sur Webflow après. Et auparavant, est-ce que tu avais fait appel à des développeurs? Donc, tu avais créé toi-même déjà une maquette. Tu avais déjà fait ça avant ou pas spécialement? Non. J'ai toujours été autodidacte. C'est vrai qu'après, si j'ai besoin d'un script ou d'une solution, il y a toujours Google pour chercher une possible solution. Hein. Ouais. C'est pas toujours évident parce que des fois, tu la trouves pas adaptée à ce que tu veux ou à la plateforme que tu es en train d'utiliser. Non. Mm-hmm. Et non. Ok.
Non, je demande ça parce que c'est une expérience que moi j'ai eue. Et donc, c'est vrai que le fait, comme tu dis, voilà, je suis fier d'avoir créé mon propre portfolio que j'ai imaginé, dessiné sur XD et puis mis. C'est vrai que c'est une fierté de pouvoir faire tout, en fait. Design, développement, parce que Webflow, ça reste quand même du développement, c'est visuel, mais avoir comme ça les deux casquettes, c'est quand même une force. Tu es designer aujourd'hui et intégrateur web, donc tu peux faire les deux. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça, donc c'est des compétences qui aujourd'hui qui valent beaucoup, beaucoup. Déjà pour toi-même en tant que personne, mais pour les futurs jobs en tant que freelance, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Oui, moi je suis content d'avoir cette base de graphiste, disons, Ah oui? de la vieille école ou de l'ancienne école ou quoi que ce soit, dû à l'âge seulement. Donc, et je pense que c'est une base qui, après, t'aide beaucoup pour utiliser XD ou Adobe XD ou Figma, et puis construire visuellement, et savoir placer les éléments. Bon, tout est relatif, ça dépend des goûts, bien sûr des modes, des tendances. Non, mais Ouais. bon, je pense que c'est toujours positif d'avoir cette base. Non? Il est vrai que tu peux faire un site internet sans cette base et avoir un site internet très, très joli aussi. Non? Enfin, je veux dire que internet est plein d'exemples de formations, je veux dire, graphiques, visuelles. Non? Tu peux t'inspirer. Donc, bon, c'est pas indispensable, mais je pense que ça aide. Ouais, tout à fait. Bah écoute, je propose maintenant qu'on parle un peu de la formation, de la manière dont c'est structuré, comme on parle d'étapes. Comment tu as trouvé la structure? Donc, tu as commencé bah, au module 1, la découverte, les bases en fait du HTML, CSS, mais de manière visuelle. Il y avait comme ça, si tu te souviens, le box model. Et puis de la suite. Raconte-nous un peu les déclics que tu as eu comme ça. Bon, moi j'ai commencé, je suis très 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 appliqué, donc j'ai commencé depuis le début, je n'ai sauté aucune étape. Et donc c'est vrai que par exemple Flex Model, tout ça a été une découverte, parce que les exercices aussi relationnés avec le Flex, ça a été très intéressant, parce que c'est vrai que c'est un peu magique. Quand tu vois la façon d'utiliser Flex, tu mets en vertical, mais le parent, le fils, c'est un peu magique, non? Quand tu vois, waouh, tu peux faire ça comme ça. Donc, et ce n'est pas limité, parce que c'est vrai qu'après, tu peux utiliser cela de différentes manières, et puis le résultat est le même presque le même, non? Donc c'est vrai que c'est un peu à toi, un peu à faire un peu de l'investigation, de Ouais, voilà, faut voir un peu s'amuser avec. et donc bon, et la formation, donc oui, je l'ai suivie, et bon, cela m'a paru très bien structuré, parce que je pense qu'il faut commencer par les bases, puis les exercices servent d'appui. Moi, j'ai les exercices de flex, je les ai faits, puis c'était comme un défi, non? Il faut que je fasse que cet élément soit ici obligatoirement. Et c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés dans quelques cas, mais c'est vrai que c'était un défi, il fallait que je le fasse. Donc, c'est des exercices très positifs, il me semble, pour pouvoir dominer, ou un peu dominer l'outil, non? Oui. Ok, chouette. Dans la formation aussi, il y a un module où j'approfondis. Donc, on a parlé de la structure, le flex, tout ça. Mais il y a une partie aussi un peu plus concrète pour la vie de freelance. Bon, elle n'est pas ultra développée. C'est quelque chose qu'on peut vraiment aller plus en profondeur. Mais il y a comme ça des bases avec le devis, avec comment parler aux clients, etc. Comment tu as trouvé cette partie
Mais c'est une partie qui m'a paru intéressante du moment où, c'est vrai que ici en Espagne, ou pour n'importe quelle autre personne, ou que ce soit en Belgique, en France, n'importe où, pour pouvoir, disons, appliquer ses connaissances et ses guides, disons, ses guides pour à soi-même. Non, je veux dire que c'est vrai que peut-être les tarifs en Espagne ne sont pas les mêmes qu'en Belgique ou en France, c'est évident, ou dans ma ville, simplement, je veux dire. Donc, c'est vrai que c'est un guide pour pouvoir prendre quelques éléments, dire ah, ça m'intéresse, ça je peux le faire, ça peut être que non, mais si je change ça, ce sont des portes pour moi qui t'ouvrent, disons, des parties de possibilités que peut-être tu ne voyais pas. Non, c'est vrai que moi, ça m'a aidé pour clarifier un peu quel était mon objectif au niveau marketing, non, au niveau commercial. Non, donc, c'est vrai que ça aussi, il faut l'avoir présent, non, pour savoir où est-ce que tu veux mener ton site web ou ta boîte ou quoi que ce soit, ton activité. Ok, allez, super. On a parlé de la structure, on a parlé de la partie freelance. Donc, ouais, je suis content d'entendre que effectivement, je donne des idées et il faut piocher un peu, de voir un peu qu'est-ce qui peut convenir, qu'est-ce qui ne peut pas convenir. Le principal, c'est d'entendre, voilà, ça m'a aidé, ça m'a ouvert les yeux, des choses auxquelles je ne pensais pas et tout. Oui, voilà. C'est pour ça que je disais alors que bon, la formation n'était seulement pas audiovisuelle. Je veux dire, s'il y a plein de petits détails ou d'annexes qui aident à compléter la formation. Et je pense que aussi l'intérêt de la formation, c'est dans le temps, non? Je veux dire que ce n'est pas une formation qui s'arrête au bout de 2 mois, puis bon, puis voilà, tu as 50 vidéos, puis c'est tout. Non, je pense que l'intérêt, c'est pouvoir continuer dans le temps, non, Exactement. à demander si tu as des doutes. Ou, Ouais. voilà, il y avait les vidéos que tu publies sur ta chaîne. Bon, l'univers, tu vois, complet, je pense que c'est très intéressant, quoi. Ok, chouette. Chouette, je suis vraiment heureux d'entendre ça. Par rapport à donc ton objectif, on en a parlé brièvement, c'était de te lancer en tant que freelance. Tu m'as dit, face caméra ou juste avant, que ce serait début d'année. Est-ce que là, voilà, le fait que tu aies pris la formation, que tu aies fait ton portfolio déjà, là, est-ce que ça t'a, voilà, tu vois l'objectif là devant toi et ça t'a donné. Oui, parce que bon, c'est vrai que bon, comme dirait une amie à moi, la vie est faite d'étapes, non? Et il me semble que l'étape dans laquelle je suis est terminée, non? C'est vrai que bon, j'avais envie de changer de travail, disons, ou d'endroit où j'exerce ma profession. Et c'est vrai que bon, tout cela m'a permis de clarifier, d'être plus convaincu de ce que je veux faire, non, dans le futur. Bon, l'horizon va être fin de l'année, l'année prochaine. Il faut voir comment évolue toute la crise, non, du coronavirus. Non, mais bon, vu que je travaille online depuis 15 ans à la maison, s'il est question d'accentuer cette voie. Ah oui, clairement. Si ça fait 15 ans que tu travailles déjà à distance, ça va ne faire que continuer, sauf que tu vas maîtriser maintenant ton propre business, tes propres projets. Une petite question comme ça, Sergio. Si maintenant, demain, tu reçois un contact, un prospect, il te dit, voilà, j'ai besoin d'un site, Webflow, ou même, tu dis oui direct. Bien sûr, oui. Il y a la seule manière d'apprendre et de, disons, d'apprendre et de perfectionner tes connaissances. Il n'y a pas d'autre moyen que par l'expérience, que par la pratique. Donc,
Bien sûr. Directement. Allez, Puis, c'est chouette. avec, c'est vrai qu'on acquiert une certaine confiance, non? Je veux dire, avec la formation, avec ce que tu fais, le portfolio, avec les expériments que tu fais, non? Sur Webflow, je vais faire ça, je vais faire ci. Bon, c'est vrai que ça te permet de dire, si quelqu'un vient, tu peux me faire un site internet? Bien sûr, je te le fais. Tu vas mettre peut-être plus de temps, ça va te demander plus d'efforts au début, mais comme tout, non? Je veux dire, Comme tout. voilà, donc, oui. Allez, c'est chouette. Je vais entendre ça. Écoute, moi, j'ai pas d'autres questions particulières aujourd'hui. Je trouve que voilà, je suis vraiment heureux et fier de t'avoir parmi nous et fier de voir l'avancement, de savoir que tu as des objectifs, que tu as vraiment des chouettes projets. Voilà, j'ai hâte de voir ça, qu'on partage ça dans le groupe, qu'on continue à apprendre à se connaître. Je suis vraiment très heureux. Donc voilà. Non, je voulais seulement ajouter que bon, c'est vrai que des fois, pour apprendre, c'est pas évident de faire le premier pas. Mais il est vrai que tous les exemples que tu as donnés sur ton canal de YouTube m'ont permis de franchir le pas. Tu vois, donc c'est vrai que parce qu'une formation comme ça à sec, c'est pas évident de l'apprendre. Non, mais c'est vrai que tout ce que tu as permis de faire voir sont les éléments qui m'ont décidé à prendre la formation. Donc, Ok. très bien. Super. Ok, Sergio. Écoute, je vais couper l'enregistrement. Reste en ligne, on va encore parler quelques minutes. Mais sinon, voilà. Passe une bonne journée. À plus tard. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.